Genèse 18. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour la parole, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié, sois magnifié au siècle du siècle. Père, merci pour cette parole que tu as pour nous, Dieu. Que nous puissions, que je sois ton instrument ce soir, ce matin. Que ton nom se soit glorifié, que ton nom se soit magnifié. Que sois l'auteur de la gloire, la magnificence. Au siècle du siècle, que ma terre, ma chair s'éteigne et que toi tu nous parles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons Amen. 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 Frère aussi, le panier. Amen. Nous lisons la parole. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit trois hommes qui se tenaient non loin de lui, de l'entrée de la tente. Il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposer sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Oui, vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien de près, rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu veux dire, ce que tu viens de dire. » Alors Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends trois grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, où est ta femme Sarah? Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque. Du
Abraham nomma. J'aime beaucoup la 8 secondes. Parce que 8 secondes dit à l'époque fixée, au temps marqué, au temps fixé. Donc Dieu a fixé 2017 pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps. Et le temps là, oh, je vais commencer. Attendez, j'ai fini d'abord avec toi. Amen. Amen. Il dit, et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac, ce que Sarah lui avait donné. Et il est circoncis à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara, Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. Et elle ajouta, qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour, Sarah allaiterait les enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Amen. Alors, Abraham, il est
99. Là, 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 ça sera ça. Ce sont les calculs de Saul. Mais Dieu a son calcul qui n'a rien à voir avec notre calcul. Nous avons nos procédés à faire, nous avons nos systèmes établis. Mais que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans nos principes de genre. Allez, les principes de Dieu, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est pas normal. Mais ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Amen. Et donc, Abraham était assis, il attendait. Mais le problème qui était là, quand il a vu trois hommes venir, il a vu que c'était l'Éternel qui le visitait. Amen. Alléluia. Amen. 2016, Dieu vous a visité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a visité. Amen. Vous avez vu comment l'ange de l'Éternel est venu voir Marie. Il dit, l'Éternel est avec toi. Donc l'Éternel a visité. Et quand on visite quelqu'un, on laisse quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'ange est venu voir Gédéon, il a déposé quelque chose. Quand Dieu, l'ange est venu voir Marie, il a déposé quelque chose. Quand l'ange est venu voir la femme de Manoah, il a déposé quelque chose. Quand un ange vient, c'est pour déposer. Quand l'Esprit de Dieu vient, c'est pour déposer. Alléluia. Amen. Donc on nous a visité. Dieu nous a visité. Donc il a déposé quelque chose. Et cette chose-là, nous le verrons s'accomplir en 2017. Parce que je m'appelle. Ce n'est même pas que tu l'as eu en 2017. Non. On t'avait déjà visité. Mais l'accomplissement que tout le monde va voir, hein, c'est là en 2017. Yeah.
ce mot. Depuis combien de temps? Depuis que tu es né, tu manges. Amen. Dans deux jours, ne peut rien te faire. Au contraire, quand tu fais le jeûne, tu enlèves les toxines dans le corps. Ça nettoie ton sang. Le jeûne est prière de vous. Alléluia. Il y a le pasteur Gracie qui m'a dit, maman Fifi, je n'arrive pas à suivre le rythme de jeûne et prière. C'est pour ça que je n'arrive même pas à venir. Alléluia. Il faut prier pour lui. Vous savez, jeûner, c'est aussi un combat. Hein. C'est briser la chair. C'est très fort. Quand tu jeûnes beaucoup, c'est normal que ton esprit devient plus sensible. Alléluia. Le Saint-Esprit te parle rapidement. Tu as les choses rapidement que tu écoutes. Amen. C'est, tu deviens plus sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la chair est brisée. La chair te demande à manger, tu ne peux pas dormir. Il y a certains démons qui ne partent que parce que tu n'as pas mangé. Tu les as habitués à manger. Comme tu ne peux plus manger, ils partent parce que tu ne peux pas manger. Ils partent. Ils ne supportent pas la famille. Nous avons certains démons qui partent qu'à cause du jeûne et prière. Amen. On n'a même pas touché, on n'a même pas chassé. Mais comme tu ne manges pas, ils partent. Il y a certaines maladies qui partent dans le jeûne et prière. Tu es guéri dans le jeûne et prière. On n'a même pas touché, on n'a même pas touché. Parce que seulement tu as fait ce jeûne et prière. Tu es resté dans la présence de Dieu. Tu t'es sacrifié et Dieu fait les choses. Amen. Alors, Abraham avait ce discernement. C'est lui qui a l'esprit de Dieu doit demander le discernement. Je dis non. Maman, je préfère que toi tu passes pour m'expliquer. Ah, je dis bon, il y a une personne qui a lâché le lit. Je dis que je demande à la personne de déposer directement chez toi. Elle dit non, certains ne vont pas bien expliquer, je préfère que toi-même tu passes. Donc, au lieu de déposer une semaine, c'est-à-dire deux semaines, trois semaines, je ne pouvais pas. Mais elle attendait. Quand je lui ai dit que bon, je viens tel jour, elle dit je t'attends. Je suis arrivée. Elle a préparé. J'étais étonnée, je dis bon, mais moi je viens te déposer le lit et je viens manger. Et en plus, j'étais très pressée. Il me dit, pasteur, moi, je ne peux pas recevoir un homme de Dieu dans ma maison et qui ne veut pas comme ça. Je dis, mais ici, il n'y a pas de besoin de homme de Dieu. Moi, je viens vendre. Amen. Je viens de dépôt, je pars. Il dit, non, tu ne peux plus sortir de ma maison comme ça. Tu dois préparer. Mais on m'attendait ailleurs pour aller faire un autre dépôt. J'ai dit, bon. Ils ont commencé à insister. J'ai dit, il y a quelque chose à prendre. Ils insistent pas pour rien. Je suis restée assise. La personne qui est venue avec moi, qui devait faire le travail, il dit, moi je n'ai pas fait, je ne peux pas manger. Parce qu'on venait de manger en fait. On était au restaurant, on a mangé avant de venir là. Mais elle a tellement insisté, j'ai dit, bon, je vais manger. Alors j'ai mangé un peu, j'ai bu. Et elle a commencé, sa soeur a commencé à tout mettre dans le sac. Je lui ai dit, mais tout ça, tu pars avec moi, tu veux vendre les livres, vous me donnez tout ça. Mais ils attendaient quelque chose. Amen. Je ne savais pas. Amen. Je voyais seulement qu'on prenait tellement soin de moi. Je dis, si maman était pouvait prendre soin de moi comme ça. Non, je sais, je prends soin de moi. Amen. Alléluia. Alors, j'ai pris, et après avant de partir, elle dit, maman, bénis-moi. Amen. Je dis, quoi l'enveloppe? Elle dit, oui, elle avait préparé son enveloppe depuis 2 mois. Elle avait gardé cette enveloppe. Donc elle me faisait venir pour le lit, mais pas derrière le lit. Elle voulait quelque chose. Donc j'ai déposé, elle m'a donné l'enveloppe. J'ai prié pour la nourriture que j'ai mangée. J'ai prié pour son enfant. Je suis partie. Bon, Dieu, c'est Dieu qui fait, hein? Nous on prie. Et au moment de venir chercher le lit, je n'ai pas pu la semaine d'avant. Elle me dit, maman, mais c'est la date, il faut venir prendre le lit. J'ai dit, oui, je vais venir. Je n'ai pas pu le jour-là. Le deuxième jour, je n'ai pas pu. Le troisième jour, je n'ai pas pu. Le quatrième jour, j'arrive chez elle. Je viens prendre le lit. Elle me voit. Elle se met à genoux. Elle commence à essuyer mes pieds. Mes pieds, même, les bottes étaient sales. Elle commence à essuyer mes pieds. Elle dit, maman, tu es un homme de Dieu. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle est rentrée la lettre. C'est le papier qu'elle pleure depuis 10 ans. On vient de lui donner la carte de séjour. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui savent faire. Alléluia. Il y a des gens qui savent faire. Mais le problème, c'est que comme je suis habitué à toi, tu me prends maman Vivian en cause, maman Vivian, oui. C'est comme ça que tu m'as dit. Alléluia.
Ma fifi, ça va être ma fifi. Alléluia. Mais va plus. Alléluia. Je viens parler à quelqu'un, va plus. Amen. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah Seigneur, pour moi, chez moi aussi, fais quelque chose. Amen. Mais il y a des gens qui sont violents. Hein. Amen. Des gens qui sont violents. Et je suis rentrée, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, ah Seigneur, tu es Dieu. Amen. J'ai compris certains secrets. Alléluia. Abraham a vu, il dit que vous n'irez pas comme ça, vous devez manger chez moi, vous ne pouvez pas passer. Et quand ils sont passés, quand ils ont fini de manger, Jacob, quand il a fini de manger, il a appelé, Isaac, il a appelé Jacob, hein, viens maintenant que j'ai mangé, je vais te bénir. Maman, que je suis satisfait, je suis content, maintenant je vais te bénir. Alléluia. Donc, Abraham est venu. Quand il a vu qu'ils ont fini de manger, ils veulent partir. Eux-mêmes, comme ils ont mangé, ils étaient lourds. Ils ont dit, bon, où est Sarah? Alléluia. Amen. Où est Sarah? Si ton nom, où est Derek? Je n'ai pas bien entendu. Où est Derek? Je vais entendre ton nom. J'entends seulement Mireille. Amen. Amen. Allez, où est Jésus. C'est vrai, les banques sont pleines là-bas. Parce que c'est quand tu as dit là, tu as non.
faut pas dire, oh Dieu m'a dit, moi je, Dieu ne m'a pas dit, j'ai dit tant pis. Moi je me contente, c'est qu'on m'a dit que toi tu es un homme de Dieu. Et moi je prends. Et je le fais. Alléluia. Amen. J'ai vu. Donc Dieu veut que tu, Dieu soutient sa parole. Dieu est dans sa parole. La parole que nous sommes en train de sortir, c'est maintenant qu'elle est en train de travailler en toi. C'est en train de travailler en moi. Moi, avant de venir, si ça vient travailler en moi. Parce que toute la nuit, j'étais sur la parole. Donc cette parole, elle me travaille d'abord. C'est ça, vous avez vu une fois, j'étais venu vous prêcher sur les autels. Et Dieu m'a parlé moi-même de l'autel de ma famille. Hein. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, mais toi, tu es en train d'aller prêcher les autels. Regarde toi-même tes autels là-bas. Et quand il m'a montré, j'étais étonnée. À l'âge de 12 ans. Quel âge j'ai aujourd'hui? Moi, je suis vieille, comme vous voyez là, mais Dieu ne m'est pas gêné. Alléluia. Surtout quand on met les chiffres, on met les bottes. Alléluia. Le Saint-Esprit nous régit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rajeunit. Vraiment, hein, c'est vrai. Le Saint-Esprit nous rajeunit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Et la vie en toi enlève certaines choses. Enlève la vieillesse. Enlève, comment on appelle ça? Les fritissures là. Le Saint-Esprit enlève tout ça. Parce qu'il est la vie. Quand il entre en toi, il commence à donner la vie. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit le dimanche dernier, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit apporte la vie. Le Saint-Esprit change. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, la Bible dit dans les Corinthiens, si je pose fin, il dit, donc vous ne vous appartenez plus. Alléluia. Vous êtes les membres du Saint-Esprit, les membres. Il a dit les corps, plusieurs corps. Donc toi, tu es membre, toi, tu es membre, toi, tu es membre. Et du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter, quand il vient ouvrir, il y a les miracles. Amen. C'est pour ça que tu as besoin d'appeler beaucoup le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que quand il vient, il dépose le miracle. La Bible dit au commencement était. Oui, là était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu. La parole. Oh, Kachimi, tu as bien appelé. Amen. Amen. Il dit, il y avait la Bible et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'Esprit de Dieu, nous fait. Il est en train de mouvoir. En voulant mouvoir, il cherche quoi faire. Donc quand le Saint-Esprit est là, il est en train de mouvoir. Il doit faire quelque chose en toi. Il doit changer quelque chose. C'est pour cela que la parole est sortie tout de suite. La lumière est venue. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est là, il est là pour changer. Il n'est là pas pour rester seulement te regarder, vous regarder. Non. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour te changer. Amen. Il y a les miracles qui vont opérer. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple où il y a la vie. Où la vie doit changer. Et tu vas dire, mais pourquoi moi ça ne change pas? Parce que tu n'as pas encore pris la conscience de la puissance du Saint-Esprit en toi. Amen. Le jour où tu comprendras la puissance du Saint-Esprit en toi, c'est là que tu vas voir les changements. Amen. Amen. Même dans ton corps. Il dit que glorifier Dieu dans ton corps. Donc, le corps ne m'appartient plus. Mais comme ça appartient au Saint-Esprit, ce que je vois là, je ne peux plus le voir. Parce que le Saint-Esprit doit travailler. Il ne vient pas pour nous regarder, il vient pour faire quelque chose. Il vient pour quand il vient, c'est pour le miracle. Alléluia. Amen. Et il sait que tu as besoin de miracle. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Constamment, sois dans la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça, quand je vous ai donné le dernier jeûne, je vous ai dit, priez en langue. Parce que quand tu pries beaucoup en langue, tu te bâtis. Alléluia. Tu te fortifies. C'est comme si tu fais une grande maison. Et la même grande maison ne peut pas s'écrouler. Quand tu parles beaucoup en langue, tu parles beaucoup en langue, tu appelles la présence de Dieu en toi. Et en appelant la présence de Dieu en toi, tu appelles tout ce qui vient avec le Saint-Esprit, tous les dons. Et dans les dons, là, ça doit se manifester parce que tout le temps, tu es avec le Saint-Esprit. Et quand tu vas parler, le Saint-Esprit parlera à travers toi. Des fois, quand tu vas parler, on dit, ah, toi, tu es très sage. Hein? Pourquoi? Parce que c'est que les paroles que tu sors, c'est le Saint-Esprit qui ajoute. Alléluia. Mais la Bible dit, est-ce que le Saint-Esprit va habiter là où il y a la saleté?
Non. On était le Saint-Esprit parce que là où on reste, le Saint-Esprit ne peut pas rester dans certains endroits. Parce que c'est ça. Et nous éteignons la puissance du Saint-Esprit. Nous éteignons ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Amen. Alors, Abraham est venu, il a dit à Dieu a dit, où est Sarah? Sarah était là. Il dit à Sarah, il dit à Abraham, Abraham, quand je reviendrai à la même époque, amen. Quand je reviendrai à la même époque, je trouverai une femme. Sarah qui dit, hé, vraiment Dieu, vraiment, depuis que nous on parle de ça, moi-même j'ai demandé même à Abraham, comme la promesse est à Abraham, qu'il prenne même Agar, qu'il fasse même un enfant, parce que moi là, je suis désespéré. Je viens te dire que dans le Seigneur, on se désespère pas. Amen. Avec le Saint-Esprit, on ne désespère pas. Amen. Tu ne peux pas parce que c'est lui qui amène. Amen. Job avait tout perdu. Mais quand il a reçu, il était étonné de la gloire de Dieu. Amen. Il était étonné de la puissance de Dieu. Amen. Il était étonné de la multiplication de Dieu. Amen. Dieu n'a pas de retard. Dieu n'a pas de retard. Et Dieu n'est pas dans le silence. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Il n'avait pas dit qu'il n'agit pas. Je viens te dire que Dieu est à déposer cette année et tu vas voir 2017. Amen. Alléluia. Amen. Je viens te dire qu'à la même époque, moi je vais entendre les témoignages en ce lieu. Amen. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Ta vie doit changer. Amen. Parce que le pouvoir a changé. Amen. 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 Le pouvoir a changé. Amen. Le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé. Quelle est cette main? La main de qui? Mais la main de qui? Mais tu cherches les mains là. La main de qui? Non, ce n'est pas la main de qui. C'est la main de qui? Mais les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la même époque en décembre 2017, à ce terme-là, je vais entendre les bénédictions que j'ai entendues en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. À la même époque. À la même époque. Le temps fixé de Dieu, c'est 2017. Tu ne peux pas dépasser 2017 sans qu'on voit. Alléluia. Amen. Je dois voir. Je dois glorifier mon Dieu. Dire que le Dieu là qui parle, il accomplit. Amen. Amen. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Je voulais parler d'un témoignage, mais je ne peux pas parler maintenant. Nous attendons 2017. Amen. Je vous dirai que c'était ce témoignage-là. Amen. 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 Le témoignage est dans la salle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu, ce qu'il dit, il promet. Parce que quand on va dans le verset 21, la Bible dit le Seigneur se souvint. Amen. Dieu s'est souvenu de moi aujourd'hui. Alors, ferme tes yeux, commence à prier. Que Dieu se souvienne de moi. De la promesse qu'il avait faite en 2016. De l'ange qui m'avait visité en 2016. Que c'est en train de s'accomplir maintenant. Amen. En janvier 2017. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que j'ai trouvé la faveur devant toi. Seigneur, merci. Pour ton intervention. Merci Seigneur pour mon projet qui a trouvé son accomplissement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yo papa 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 papa. Yo toro moche kere de shina. Oh ya papa 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 papa. Yende rebe kere de shina.
2017, Dieu va me faire rire de joie. Je vais rire. Je vais rire. Je vais rire. Oh, je vais rire. Alléluia. Maintenant, dis à ton frère, tu vas rire. C'est grave.